So I do bis mit ein und alles. Bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Mais n'écoutez point pas, j'ai vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va tout simplement obtenir le skin Mulot gratuitement dans la boutique Fortnite. Du coup, on va tout simplement obtenir tous les skins gratuitement. Du coup, pour voir tout simplement que le skin Mulot coûte 1200 V-Bucks, on va tout simplement l'obtenir gratuitement, nous. Et du coup, le skin se présente comme ça. Du coup, on va tout simplement l'obtenir gratuitement. Du coup, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur la case soutenir un créateur. Là, vous allez entrer mon code créateur à moi dans la boutique Fortnite. Normalement, vous êtes simplement cliqué sur le bouton accepter sur la case jaune comme moi, et normalement le bouton vert, et d'avoir tout simplement une petite flèche verte comme moi dans la vidéo, c'est vraiment très important, c'est pour que le glitch fonctionne comme moi dans la vidéo. Du coup, tout simplement, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous êtes simplement aller retourner au lobby de Fortnite Battle Royale comme moi dans la vidéo. Après, vous êtes simplement faire un retour. Dans faire un retour, vous allez écrire exactement la même chose que moi. Du coup, vous allez cocher la case bug. Dans sujet, vous allez écrire exactement la même chose que moi, et dans corps du message, la même chose que moi. Du coup, vers la fin, vous allez simplement mettre un point d'interrogation. Là, vous allez envoyer votre message à Epic Games, c'est qui est le meilleur envoi du message. Là, vous allez confirmer votre message. Après, là, vous allez simplement aller dans vos paramètres. Dans vos paramètres, vous allez recevoir des clés d'opinion. Vous allez cocher sur oui et sur non. En même temps, c'est vraiment très important de faire cela. Du coup, après, vous allez dans la boutique d'objets. Là, vous allez simplement cliquer plusieurs fois sur le skin Mulot comme dans la vidéo. C'est vraiment très important de faire cette manipulation là. Du coup, après, vous êtes simplement retourné au lobby. Là, vous êtes simplement faire start, et là, vous êtes simplement choisir le mode de jeu comme moi dans la vidéo. Du coup, après avoir, vous êtes simplement attendre le chargement. Là, vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale de Fortnite. Terminé, ce que vous allez faire, vous allez retourner dans la boutique d'objets. Là, vous allez simplement refaire soutenir un créateur, et normalement la case jaune acceptée doit être comme moi dans la vidéo. Du coup, vous allez entrer mon code créateur, et là vous allez accepter mon code créateur à moi dans la boutique Fortnite. Du coup, normalement la case verte avec une petite flèche verte comme moi dans la vidéo, et normalement ça doit faire exactement la même chose que moi. Du coup, après, vous allez tout simplement recliquer encore plusieurs fois sur le skin Mulot. Après, là, vous allez simplement rechoisir le mode de jeu comme moi dans la vidéo. Du coup, après, vous êtes simplement attendre le chargement. Là, vous allez cliquer sur le mode Battle Royale comme moi dans la vidéo. Et normalement, quand on va aller dans la boutique d'objets, on doit obtenir simplement tous les skins gratuitement. Du coup, j'espère que le glitch il a bien marché. Et voilà, les potes, on a simplement obtenu tous les skins gratuitement de la boutique Fortnite. On a même obtenu le skin Tigresse, le skin Mulot, le skin Wong Kong. On ne peut même pas l'obtenir, on l'a obtenu gratuitement. On a simplement obtenu tous les objets quotidiens gratuitement. Voilà, c'est vraiment un glitch de malade. C'est pour ça, vraiment, abonnez-vous un maximum à ma chaîne YouTube. Utilisez le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite. C'était Fintex. Moi, je dis simplement bonne game tout le monde. Allez, bye.